Bon matin à toutes et tous. Eh bien voilà, on se retrouve pour une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 15 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un beau week-end et que vous avez passé une belle fête du 14 juillet. Alors, je continue, n'est-ce pas, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, car je trouve que c'est un magnifique oracle pour bien travailler sur soi et mettre en évidence, eh bien, ce qui ne marche pas, ce qui cloche en nous. Mais avant de commencer, la petite philosophie du matin, je terminerai par la pensée positive. Aujourd'hui, 15 juillet, pensée, philosophie, intensifier un effort. Prolonger un effort, accroître sa capacité de travail, intensifier une préparation physique ou morale, c'est se donner chaque jour davantage les moyens de ses ambitions et une chance supplémentaire d'atteindre ses objectifs. La persévérance concrétise la détermination et permet de se prouver à soi-même que l'on peut aller plus loin, encore plus loin. Beau message de la philosophie pour ce 15 juillet. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la bonne décision. Ah, il est quelquefois difficile, n'est-ce pas, de prendre la bonne décision. Mais il y a des signes pour prendre la bonne décision. Et peut-être que certains d'entre vous, votre intuition vous dit que vous savez, oui, vous savez ce qui est bon pour vous en ce moment, même si vous vous questionnez. Sachez, eh bien, que si votre décision est prise à partir d'un espace de lumière et d'amour, à partir de votre petit cœur et d'une intention noble, eh bien, à ce moment-là, vous prenez la bonne décision. Par contre, si votre décision est plutôt fondée sur la peur, eh bien, à ce moment-là, il serait temps pour vous de prendre du recul par rapport à cela et de demander à votre petit cœur son réel besoin, n'est-ce pas? Cette carte, elle souhaite vous prévenir que vous ne devez jamais laisser une tierce personne prendre une décision à votre place. Conservez ce pouvoir entre vos mains. Et si vous conservez ce pouvoir entre vos mains, eh bien, c'est votre liberté. Et à ce moment-là, vous êtes maître de votre vie. Et vous écrivez, eh bien, le scénario de votre vie. Vos décisions sont basées sur vos désirs profonds et sur votre intuition. Elles sont empreintes de détermination, de foi, d'amour et d'audace afin de vous permettre d'être toujours guidé par la meilleure décision possible. Moi, je vous invite à vous faire confiance. Faites confiance dans vos choix. Ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Il est toujours temps, n'est-ce pas, de prendre une nouvelle décision, puisque les décisions sont vivantes. Les décisions bougent, elles transforment et elles évoluent au fil de votre croissance. Permettez-vous l'erreur à travers vos décisions
et conservez-en, eh bien, la richesse d'apprentissage. Parce qu'encore une fois, nous sommes ici sur terre pour apprendre. Quel beau message, n'est-ce pas? Alors, petit rituel de la décision. Si la décision que vous prenez vous donne de la vitalité, eh bien, à ce moment-là, c'est la bonne décision, même si l'action à effectuer est difficile à exécuter. À l'opposé, si votre décision, eh bien, elle vous épuise, juste à l'idée de la concrétiser et qu'elle ne vous apporte aucun bénéfice après coup, eh bien, ce n'est sûrement pas la bonne décision, n'est-ce pas? Pour savoir si votre décision est la bonne, eh bien, demandez-vous si cette décision est celle que vous prendriez dans un monde idéal où tout est possible. Et en trois, faites appel à votre intuition et dans un moment de calme, eh bien, fermez les yeux et demandez-lui conseil. Vous savez, cette petite voix intérieure, le pressentiment, le sentiment de, il a toujours raison. Très, très, très beau message, n'est-ce pas? Pour commencer la semaine, et oui, peut-être que des personnes qui vont écouter cette capsule, ils ont un choix à faire et prendre une décision, eh bien, prenez la décision, celle du cœur. C'est toujours elle qui est la bonne. Alors, et si la décision est trop difficile présentement, attendez un peu pour avoir peut-être plus d'éléments et pour prendre la bonne décision. Pensée positive, aujourd'hui j'ai pigé, je reconnais que je saisis la réalité de manière unique. Quand je reconnais que personne ne saisit la réalité ou n'y réagit exactement de la même manière, eh bien je suis libre. Je répète, quand je reconnais que personne ne saisit la réalité ou n'y réagit exactement de la même manière, je suis libre. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel et puis portez-vous bien et je vous dis à demain.